Hey Madelot, ici Defro pour aujourd'hui, réaliser un hôtel de luxe sur Minecraft, oui carrément, et comme vous le savez au début de chaque vidéo, eh bien je donne une construction qu'on a déjà fait en tutoriel sur la chaîne à un des abonnés qui a mis un commentaire sur la chaîne. Alors la dernière fois, lors de la dernière vidéo, en fait, bah elle n'est pas encore sortie au moment où je tourne celle-ci de vidéo, et donc du coup je vais pouvoir donner cet immeuble là que vous avez sous les yeux à quelqu'un qui a posté des commentaires dans la vidéo du coup d'encore avant. Et sur ce, ça va être le grand gagnant, va être, attention, Faikin ou Faiking, je sais pas comment on prononce ton pseudo, mais en tout cas, GG à toi pour avoir mis des commentaires et avoir mis un commentaire tout un fait sympathique et d'avoir gagné cet immeuble assez balèze, il faut bien le dire. Sur ce, du coup, on va se retrouver de l'autre côté de la rive pour construire un immeuble sur cette partie-là de la carte, hein, du coup sur le nouveau quartier. Et donc voilà un peu les traces au niveau du sol que va prendre notre immeuble déjà. Donc il va y avoir une grande tour de verre en plein milieu, vous voyez, avec des espèces de grands, comment on pourrait appeler ça, deux grandes parties autour de la tour de verre qui vont venir se mettre d'étage en étage, voilà, au-dessus, à côté de la tour. Bref, du coup, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous donner les dimensions pour réaliser la tour en plein milieu. Hop. Et après, je vais vous donner les dimensions pour chacun des bras. Ok, donc on va commencer par le bout du bout. Ici, on a mis 5 blocs de verre bleu clair au sol. Ok. Sur la diagonale, on a mis 3. Ici, 2. 1. 2 ici. 3. Et re 5. Et on reprend la même chose pour tout le reste du cercle, hein, c'est-à-dire 3... 2, 1, 2, 3, 5, 3, 2, 1, 2, 3, 5, 3, 2, 1, 2, 3, 5, etc., etc. Voilà, donc ça fait une tour assez balèze. L'idée, c'est qu'on va venir compter le nombre d'étages qu'on a envie de mettre déjà. Ça pourrait être sympa. J'ai calculé vite fait du coup, on aura 8 étages normalement dans l'hôtel. Et une terrasse sur le toit. Donc il va falloir faire une tour qui fasse au moins 9 étages pour pouvoir monter tout jusqu'au-dessus. Donc si on prend des étages sur, on va dire, 4 ou 5 blocs de hauteur, 1, 2, 3, 4, 5. Si on met des étages tous les 5 blocs, ça nous ferait combien? 9 x 5 72, quelque chose comme ça? Non, pas du tout. 9 x 5, 45. Voilà, on va tester avec 45 déjà, donc, alors attends, ici on a combien? Hop, hop, 16, 19, 20, 21, 22, hop, du coup j'ai mis 47 blocs de hauteur pour avoir un peu de marge, est-ce que ça le fait? Est-ce que ça fait pas trop grand? Est-ce que c'est bon? Ouais, on pourrait même faire plus haut que ça, mais ok, on va tester du coup. L'idée, c'est que maintenant, notre cercle en vert bleu, on va le monter à 47, du coup, blocs de hauteur. Voilà, on va faire un truc comme ça. Donc, ça devient déjà assez balèze tout de suite, presque même trop, on verra du coup plus tard. L'idée, maintenant, on va reboucher tout le dessus comme ça de notre tour, comme ça. Voilà, on remplit la surface au niveau du dessus de vitres bleues, hein, tout bêtement. Hop, voilà l'idée. Alors du coup, je vais vous donner la longueur pour chacun des bras. On va appeler ça des bras, hein, ça va être les trucs pour la tour. Hop, donc, on va venir sur une grande ligne de 5 blocs, ok, au niveau de notre cercle qu'on avait fait à la base. On va laisser un bloc de marge, on va en mettre un à partir d'ici. Ok, je vais vous donner toutes les dimensions sur la boucle. Donc, il va falloir être attentif pour le coup. Donc, 1, 2... 3, 4, 5, 6 blocs en diagonale. 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8. Ici, sur la longueur finale, du coup, on en a 16, ok. Entre ici et là, du coup, alors, on en a combien? On en a 10, ok. Ici, du coup, on en a 9, ok. Ici, on en a 6, 5, 5,
4, 4, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 1 et 1. Et normalement, vous avez cette partie-là, du coup, mise au sol. Je vais vous donner la deuxième partie directement, comme ça, on sera OK. Donc, du coup, sur la partie à l'opposé de notre cercle qu'on avait fait tout à l'heure, hein, vous voyez, hop, ici, là, on avait commencé sur ce bord-là, et bien, vous êtes exactement de l'autre côté. Et on va compter à partir de ce bord-là, 1, 2, 3, 4 blocs, et à partir du cinquième, on va mettre un bloc ici. Et je vais vous donner les dimensions respectées à partir de ce bloc-là. Donc, ici, on en a 1, 2... 1, 1, 2, 1, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 7, 8, alors ici on en a 9, ok. Sur la longueur ici, on en a 15. Hop, ici on en a 12 du coup. Ici on en a 9. 7. 5. 5. 4. 4. 3. 3. 2. 2. 2, 2, 2, et oh, encore un 2, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, et que des 1 du coup jusqu'à coller à l'autre partie, voilà. Alors du coup ça va être notre repère pour vraiment faire l'immeuble lui-même. L'idée c'est qu'on va enlever déjà toute l'herbe qu'il y a à l'intérieur de notre surface, vous voyez, à l'intérieur de nos blocs en quartz, du coup, ainsi que à l'intérieur de notre partie en verre. L'idée, c'est que je vais faire une petite ouverture ici. Vous voyez, donc, toute la surface en herbe à l'intérieur de la tour de verre et des parties en quartz, on va l'enlever, on va mettre du bois à la place. Et voilà le travail. Alors du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis du bois de chêne classique sur toutes les parties, tous les bras, en fait, j'avais ça les bras. Et au niveau de la tour, j'ai mis du sapin, planche de sapin, avec en dessous des parties en vitre, voilà, du quartz, histoire de délimiter le contour de la tour, en fait, tout simplement. Voilà, donc à partir de la tour, en fait, on va mettre des escaliers qui vont monter pour aller jusqu'aux différents étages. On va mettre un joli water feature en plein milieu, etc., etc. Du coup, ce que je vais faire, moi, dans le premier temps, c'est que je vais faire les différents étages, en fait, de la tour, et je vais vous donner vraiment les trucs à chaque fois. Mon idée, du coup, c'est qu'on va reprendre exactement le même pattern que ce qu'on a fait en dessous, ok, sauf qu'on va enlever 6 blocs de marge à chaque fois, pour pouvoir avoir une sorte de pyramide finalement qui va se rejoindre jusqu'en haut de notre tour en verre, sauf pour le premier étage. Le premier étage, du coup, on va le commencer à 5 blocs de hauteur, hein, on va le commencer à partir de ici, et on va faire exactement les mêmes choses qu'en dessous, ok. On va reprendre exactement la même les mêmes dimensions, ok. Voilà, je reprends la même chose qu'en dessous. Et je fais aucun changement, et on fait tout le tour comme ça. Hop, voici ce que ça donne du coup. Alors l'idée, bon là, hein, j'ai repris exactement la même chose qu'en dessous. Et on va mettre aussi une ligne de quartz collée à notre partie en vitre. Voilà, bonnement. Et donc du coup, on va faire toute la surface à l'intérieur ici comme ça, en planche de bois, de chêne, hein, voilà, comme ça, classique. Et on remplit toute la surface comme ça. Et voilà, du coup, hein, rien de bien compliqué. Du coup, on va refaire le même étage, du coup, à tous les étages, sauf qu'on va enlever 6 blocs de marge à chaque fois. Je vais vous montrer ce que ça donne, du coup, pour l'étage du dessus. Ok, voilà, donc du coup, lorsqu'on rabote le bout, en fait, de 6 blocs, après, évidemment, quand on va enlever 6 blocs à chaque fois, ça va pas être frontal comme ça, ça va pas faire une grande ligne droite à chaque fois. En fait, comme notre hôtel il est courbé, eh bien on va avoir des coupures comme ça au niveau de chaque bout, en fait,
des tâches qui vont être eux aussi courbées, enfin du moins dans un certain sens. Voilà, bref, je vais vous montrer du coup l'étage encore du dessus. Hop, donc on rabote encore 6 blocs par rapport à celui-là, hein. Sauf que du coup ici, vous voyez, à peu près du coup au niveau de la moitié de l'étage, on va refaire un trou comme ça, vous voyez. Voilà, enfin, pas un trou mais un décalage pour pouvoir coller mieux à la courbe, à l'aspect de la courbe finalement. Et du coup, bah voilà, d'étage en étage, on monte petit à petit comme ça, en enlevant 6 blocs à chaque fois, peut-être 7 blocs. On verra, faudra attendre le dernier étage pour savoir vraiment si on pourrait faire plus ou pas. Voilà, on va monter différents étages comme ça. Hop, alors du coup, j'ai préparé vite fait les étages en les coupant à 6 blocs de marge à chaque fois. Vous voyez, j'ai enlevé 6 blocs à chaque fois. Et le truc, c'est que quand je m'éloigne, bah finalement, ça commence à péter bien la classe. Ça commence à rendre vachement bien en fait. Tu vois, t'imagines ça de l'autre côté aussi, avec tous les détails mis et tout, sans déconner, moi. Parce qu'on va faire un jardin suspendu aussi sur le dessus, évidemment. Ça, j'avais pas prévu, mais. Enfin, j'avais pas précisé. Bref, du coup, en fait, je me suis rendu compte que laisser les bords comme ça des étages coupés nets plutôt que de les rendre perpendiculaires à la courbe, eh ben, ça rend vachement bien aussi. Donc du coup, on va pas s'embêter. Vous voyez, là, le décalage que j'avais fait au niveau d'en dessous, on va pas le mettre. On va pas s'embêter. On va faire un truc droit à chaque fois, voyez-vous. Hop, parce que là, ça rend vachement bien. Hop, du coup, on rajoute des dalles, des blocs de quartz à chaque fois au début, plutôt au bout de chaque étage, hop, comme ça, hop, voilà, et on va compléter tout un côté en fait de l'immeuble, et après l'autre côté je le ferai plus rapidement puisque ça sera la même chose, hop, tout bêtement, ok, voilà, là on met les blocs du coup, et voyons ce que ça rend, putain, et déjà ça commence à causer, ah ouais, là j'aime bien. Là j'aime bien. Donc du coup, la même chose de l'autre côté, on fera ça plus tard peut-être, peut-être tout de suite, voilà. Bon, en gros, voilà, je vous répète les étapes. Pour le premier étage, du coup, on va faire exactement la même chose qu'en dessous. Exactement, on change rien. Pour les étages qui sont au-dessus, on enlève 6 blocs à chaque fois. Ok? On enlève 6 blocs à chaque fois au bout, par rapport au bout, hein, et on met une ligne de quartz au bout de chaque étage, comme ici, vous voyez, pour pouvoir vraiment faire le bout de l'étage. Voilà, tout bêtement, je vous fais le deuxième étage du coup, et paf, regarde-moi ça, regarde-moi la prestance du bâtiment maintenant avec tous ces trucs. D'ailleurs, j'ai oublié des blocs ici sur le côté. Hop, voilà, enfin bref, du coup, on a un bâtiment qui est plutôt stylé. Moi, ce que je vous propose de faire, c'est que je vais aménager la moitié et je vais vous montrer après comment aménager l'autre moitié, bloc à bloc, hein, manière classique. Mais regardez-moi ça, regarde, ah punaise, la tronche que ça sur la petite lagune ici, enfin sur le petit lac, attends, voilà, j'ai augmenté la distance de vue et regardez. Regardez ce que ça donne sur le lac, si c'est pas beau ça. Regardez-moi ce petit lac. La ville, elle commence à prendre vraiment de la taille, hein, n'empêche. On était censé rester juste dans notre coin ici. Finalement, il y a un quartier qui est là-bas, il y a un quartier qui s'étend tout jusqu'à, je sais pas, Perpète ici. Il y a un nouveau quartier à ce niveau-là. Donc la ville commence à s'étendre genre violent, va falloir penser à faire quelque chose là, parce que bon. Bref, du coup, moi ce que je vous propose, je fais la moitié complète et je vous montre comment faire l'autre moitié exactement de la même façon. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Alors oui, j'ai regardé aussi au niveau du son sur les dernières, sur le début de la vidéo. Le son sature et donc j'en suis désolé. J'ai essayé plusieurs techniques de micro et voilà, des fois ça bug quand même malgré les réglages. Donc normalement ça devrait plus le faire, ça devrait être bon au niveau du son. Ok, donc du coup, on regarde ce que ça a donné du coup au niveau de l'hôtel. Et vous voyez, alors l'idée c'est que j'ai mis des piscines sur tout le côté en fait de l'hôtel. J'ai mis des espèces de terrasses qui sont bombées par rapport à la structure de base sur tous les étages en ayant un décalage à chaque fois histoire d'avoir une sorte de décalage comme ça, de comment on pourrait appeler ça. C'est chelou là quand même comme vue ici. Enfin bref, de dégradé, voilà, c'est ça que je voulais dire. Et puis voilà, des murs, des vitres. Et puis voilà, des arbres aussi sur le dessus de l'immeuble. Et c'est vrai que ça rend plutôt bien.
peux vous montrer ce que ça donne de l'extérieur. Enfin, de ce côté-là, en fait, j'ai rien aménagé, puisque voilà, c'est du côté bombé. Donc voilà, alors l'idée, en premier lieu, on va rehausser la hauteur de notre verre ici de 2 blocs. Hein. C'est pour ça que j'ai laissé une marge ici de 2 blocs de hauteur. Parce que voilà, notre tour de verre, du coup, on va la rehausser de 2 blocs pour aller jusqu'à 49 blocs, voire même 50 pour ceux qui ont envie d'avoir un chiffre rond. Bloc de hauteur. Et donc du coup, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer comment faire les étages. Ou du moins, je vais vous montrer un étage et tous les autres, c'est pareil en fait. Donc voilà. Alors, et le toit aussi, du coup, parce qu'il n'est pas pareil. Alors, en premier lieu, du coup, ce qu'il va falloir faire, je vais vous montrer à cet étage-là par exemple. C'est. Ah oui, alors, du coup, il va y avoir un passage ici entre les deux parties du bâtiment. Bon. On va faire ça en premier lieu. Alors ici, l'idée c'est qu'on va surélever notre ligne de quartz, vous voyez, qui fait tout le tour de l'étage. On va la surélever pour avoir 2 blocs de hauteur, vous voyez, ici là. Et donc on fait déjà tout le tour comme ça, hop, hop, voilà, du coup hein, ça rehausse l'étage. Enfin non, mais ça donne cette impression là. Alors on va prendre du coup les planches de sapin et on va venir... Hop, ici là, se coller à la vitre centrale, laisser 2 blocs de marge par rapport à la ligne de quartz qu'on a mis sur le côté, et on va venir mettre une sorte de ligne en bois qui est toujours à au moins 2 blocs. Là, j'ai mis 3 blocs peut-être de marge, c'est un peu beaucoup. Hop. À 2 blocs de marge du bord de l'étage lui-même pour avoir une sorte de petit balcon ici en fait. Parce que là ce qu'on dessine au niveau du sol, ça va être le mur lui-même. Et du coup, là ça va être le mur et là ça va être le bord de l'étage. Et donc ici ça va être une sorte de terrasse-balcon finalement. Ok, et donc on dessine le mur comme ça en laissant 2 blocs de marge par rapport au bord de l'étage. Hop, ici comme ça. Voilà. L'idée c'est d'avoir un passage qui permet de faire tout le tour en fait de l'étage si on a envie. Alors, ici l'idée c'est que on va s'arrêter à quelques blocs du bord quand même de l'étage. On va laisser 1-2 blocs par rapport à l'étage du dessus. Ok, 1-2. Et à partir du troisième bloc, on met un pilier comme ça. Pour avoir notre repère. Hop, ici comme ça. Donc on fait un mur qui va venir tout ici. Ok. Hop. Et puis on va dans ce sens-là de la même façon, hein, donc ici comme ça, on laisse 2 blocs de marge à chaque fois. Hop, hop. Et une fois qu'on aura fait ça, l'idée du coup c'est qu'on va rehausser tous les blocs que je viens de mettre là, on va les faire coller au plafond pour avoir, hop, un vrai mur finalement. Mais on va pas faire que ça, on va aussi rajouter une petite, pouf, voilà, une petite... un petit passage qui va venir par devant notre tour à ce niveau-là, ok. Et donc, il va falloir le faire d'une certaine façon, celui-là aussi. Mais alors, bon, on va le faire juste après. On va finir notre mur ici, quand même. On va le monter comme ça, touche qu'au plafond. Voilà donc à quoi ça ressemble, vu de côté. Alors, l'idée, c'est qu'on va venir mettre une petite... route, on va dire, entre ce bloc là et ce bloc là qui va venir sur le long de notre tour en vert. Et donc pour faire ça, on va laisser 5 blocs de marge par rapport à notre tour à ce niveau là donc on va compter 1, 2, 3, 4, 5 blocs. À partir du 6ème, on va faire un truc comme ça. On va faire la même chose de l'autre côté, du coup 1, 2, 3, 4, 5, voilà, donc 6, on fait un truc comme ça. On va essayer de se débrouiller pour avoir à peu près la même taille de chaque côté. Donc on va laisser 2 blocs à ce niveau-là. Là, vous voyez, vous avez le bord de la grande ligne de 5 blocs qu'il y a sur le côté d'un tour en vert. On va reporter ça sur notre ligne de quartz et on va laisser juste 2 blocs derrière. Ok ? Du moins, on va tester ça pour l'instant. Hop, on fait la même chose ici. Ok, on va 1, 2, 3 blocs... 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, et est-ce que comme ça, ça paraît bien? Ok, on va faire comme ça du coup. Donc l'idée, comme j'ai dit, on laisse 5 blocs de marche par rapport à notre tour, on met un bloc à ce niveau-là,
Et on en met du coup 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 blocs ici sur la longueur. De l'autre côté, ça doit être à peu près pareil. Du coup, on en a rajouté un ici, donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok. Et on va faire un petit chemin à ce niveau-là. Donc du coup, pour faire ça, évidemment, on va mettre un double... Comment dire, un double mur finalement de quartz, une double ligne de quartz, hop, comme pour le reste de l'étage. Ok, on va enlever cette jonction ici, hop, voilà, même ici d'ailleurs, et on va venir, alors quoique non, on va venir mettre une ligne de quartz quand même collée à notre tour en vert, ici comme ça, voilà. Ok, ici on enlève. Et ici, là, sur tout le reste de la surface à ce niveau-là, on va compléter par du bois, par des planches de bois ici, comme ça. Donc voilà à quoi ça ressemble. Maintenant, l'idée, c'est qu'on va rajouter des arbres par-dessus pour que ça fasse un peu joli. Toi, comme l'autre côté de la maison, enfin de l'hôtel, parce que, bon, voilà, je sais que je suis mégalomane, mais avoir une maison de cette taille-là, faut pas déconner quand même. On va rajouter des blocs d'herbe histoire de faire pousser des arbres dessus, hein, tant qu'à faire. Paf, ici, ici, voilà. Pas plus de 5, 4 ou 5 hein, maximum, parce qu'après, ça va faire trop. Alors l'idée, c'est qu'on va faire pousser des petits arbres, hein, pas des grands, parce que sinon, ça va prendre trop de place, ça va faire un peu moche. L'idée, c'est d'avoir 5 petits arbres comme ça qui vont pousser ici. Donc on va venir prendre de la poudre d'os, hop, pour les faire pousser plus vite. Allez, on essaye de pas avoir, voilà, ça c'est un grand arbre, c'est ce qu'il ne faut pas avoir, hein, donc du coup, magnifique, je vais l'enlever du coup. Voilà, donc ça peut prendre un certain temps pour enlever toutes les feuilles et tout. L'idée c'est vraiment de n'avoir que, voilà, un petit arbre comme ça, parfait. Et donc, voilà, donc ça c'est pareil, ce qu'il faut pas avoir, ça c'est chiant. Ah, bon, faut que j'enlève aussi. Ok, j'ai enlevé toutes les feuilles, j'ai mis une plateforme au-dessus comme ça pour voir si ça empêche les arbres de pousser trop haut. On va voir, c'est un petit test hein, du coup que je fais. J'ai plus ma poudre d'os, magnifique. Hop, paf. Voilà, on va voir ce que ça a donné, si ça permet de ne pas faire des arbres trop grands. Ok. Ah, lui, il n'a pas de plateforme au-dessus de lui, de peut-être pas prendre le risque. Hop. Je sais pas si ça sert à quelque chose, hein, on va voir. Hein. Hop. Allez, pousse. On sait que tu peux le faire. Non, il veut pas pousser. Ah, bon. Apparemment, ça a l'air de faire des petits arbres. Ça a l'air d'être cool. Bon, ok. Bon, enfin, j'ai réussi. Je suis content. Et donc, du coup, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va venir de l'autre côté de notre étage et on va venir mettre la piscine en place. Donc, on va utiliser le vert bleu clair. Ok, on va enlever la dernière ligne de quartz qui est au bout de l'étage et on va la remplacer par du vert. Du coup, voilà, on reprend nos blocs de quartz et on va laisser donc 1, 2, 3, 4 blocs. Et à partir du cinquième bloc, on fait une ligne de quartz à la fin de l'étage. Hop, ici comme ça. Et en fait, ce bassin ici, eh bien, ça va nous permettre de mettre de l'eau dedans. Pour faire, je te le donne dans le mille et mille, une piscine, une pataugeoire de riche, on va dire. Quelque chose comme ça. Voilà, on met de l'eau partout et ça nous fait une piscine. Voilà, impeccable. Du coup, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter, du coup, de ce côté-là. Ah, la vache, la vue de l'hôtel quand on est comme ça, regarde. Ah, c'est ça, c'est stylé, ça. Ah, moi, j'aime bien. Alors, l'idée, maintenant, c'est qu'on va venir rajouter une terrasse qui va coller à ce côté-là de l'hôtel. L'idée, c'est qu'on va prendre les côtés creux. Vous voyez, ici, ça, c'est le côté creux de ce côté-là de l'hôtel. Alors que de l'autre côté, c'est un côté qui est bombé, vous voyez, comme ça. Et donc, sur les côtés bombés, on va rien faire, hein, on va laisser tel quel. Et sur les côtés creux, du coup, donc sur ce côté-là, hein, là où c'est vraiment creusé, eh bien, on va rajouter des terrasses comme ça, surtout la hauteur du bâtiment. Et donc, de ce côté-là, on rajoute rien. Et de ce côté-là, on va rajouter des terrasses. On peut aussi laisser ça lisse, hein, faites comme vous voulez, bien sûr. Hop, du coup, pour pouvoir avoir des repères pour créer votre terrasse, l'idée, c'est de prendre les derniers blocs ici, comme ça, de bois qu'on avait mis, ok, de partir sur l'avant-dernier, et à partir de l'avant-dernier, du coup, on va rajouter des blocs sur le
sur le côté comme ça de la de l'étage, et on va venir hop mettre un truc un peu comme ça, c'est-à-dire voilà 4 5 6 faire une forme un peu comme ça, vous voyez. Moi par exemple du coup j'ai rajouté un bloc comme ça par devant, puis après deux, puis un en diagonale, puis deux comme ça, puis trois ici. Ici sur la ligne on en a 6, puis 3 et 2 jusqu'à recoller à notre à l'autre partie du bâtiment. Sauf que du coup, les murs en bois qu'on a mis ici au niveau de chaque étage, ils vont être un petit peu reculés à chaque fois, vous voyez. Et donc ça sera pas les mêmes terrasses qu'il y aura besoin de faire à chaque étage. Ça va vraiment être des terrasses différentes, avec des formes différentes. Pas beaucoup, vous voyez, mais avec un petit peu de... avec un petit peu de décalage à chaque fois. Donc je vais vous montrer comment je vais faire du coup celle d'en dessous aussi. Et pour vous montrer du coup. Hein. Donc là évidemment j'enlève la partie qui nous intéresse pas et je vais rajouter hop du bois ici. Ok. Voilà tout ici là. Et une fois qu'on aura fait ça du coup ben, on aura notre terrasse qui sera faite. Hop voilà. Et on pourra le faire juste sur les autres étages. Alors du coup moi je vais vous montrer comment on fait les terrasses et il faudra refaire ça à chaque fois, vous voyez, donc ça fait un truc comme ça. Ok, donc pour la terrasse d'en dessous du coup on n'a pas mis encore les murs, donc ça c'est plutôt pratique aussi. L'idée c'est de mettre les planches de sapin comme ça, les murs au niveau de chaque étage avant de commencer les terrasses, ça permet d'avoir des repères, notamment le fait de prendre le dernier bloc, vous voyez, de du bois par rapport à l'étage et qui va nous servir comme repère pour pouvoir faire la terrasse. Le problème, c'est que si vous n'avez pas encore de mur, bah, vous ne pouvez pas les prendre comme repère. Et donc, du coup, c'est ce que je vais faire au niveau du premier, enfin du rez-de-chaussée, du coup. On va laisser, du coup, deux blocs de marge de chaque côté pour pouvoir passer, hein, comme je disais tout à l'heure, et on va venir mettre voilà, les murs sur les côtés, toujours en laissant deux blocs de marge. Hop. Pour pouvoir passer, comme je disais. Voilà, donc on va faire ça comme ça. Voilà. Du coup, on fait ça pareil de l'autre côté et on monte après les murs jusqu'au plafond. Ok, donc voilà ce que ça donne. Alors, l'idée du coup, comme je disais, on va prendre le dernier bloc de bois de notre étage. Ok, on va venir sur le côté ici. On prend le bloc à l'arrière et on fait... Hop, voilà. Donc un bloc déjà, puis deux, puis un, puis après deux comme ça, puis trois ici, puis six après sur le côté, hop, après on revient, hop, un, deux, trois, un, deux, un, deux. Et du coup, on a une terrasse qui se fait un peu de la même façon que celle d'au-dessus, mais décalée. Après, évidemment, plus on va aller en hauteur, plus on va arriver sur des choses qui vont être, sur des étages qui vont être vraiment convexes, si je crois que c'est le mot. Enfin bref, qui vont être courbés. Et donc du coup, plus on aura des... comment on appelle ça? Des terrasses qui vont être vraiment, vraiment prononcées comme ça, vous voyez, pour que ça se voit. Donc il faudra faire deux, puis deux, puis deux, et après dans ce sens-là, pour après revenir comme ça. Donc voilà, ça va être... Il faudra adapter en fonction de chaque étage. Hop! Du coup, au niveau du premier, bah, on va faire comme au-dessus, c'est-à-dire on va enlever les blocs, hop, comme ça, deux... quartz, et on va venir mettre des blocs de bois à l'intérieur. Ok, donc une fois qu'on a mis notre terrasse à ce niveau là on peut aussi rajouter les fenêtres quand même à l'intérieur de notre étage. Donc du coup on va venir prendre les vitres, ok, et on va venir les mettre tous les 5 blocs. On va mettre 3 vitres tous les 5 blocs par exemple, donc 1, 2, 3, 4, 5 ici. Donc par exemple ce bloc là hop, cet espace-là, on va le remplir de vitres. Hop, comme ça, hein, voilà. Hop, 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 hop. Ok. Et donc, bah, on va faire la même chose en dessous, c'est-à-dire que toutes les vitres vont être accumulées les unes sur les autres sur toute la hauteur de l'immeuble. Voilà, par exemple, ici, hein, on le voit clairement, toutes les vitres sont... les unes au-dessus des autres, comme ça, ça permet de donner une cohérence au tout. Et puis voilà. Donc, faudra pas oublier ça. On va faire la même chose en dessous, histoire de vraiment marquer le coup. Et après, du coup, l'idée, c'est de laisser 5 blocs de marge entre toutes les fenêtres. Donc, on va venir ici compter 1, 2, 3, 4, 5. Puis après, les 3 fenêtres
les trois blocs d'après, on les enlève. 1, 2, 3, 4, 5, paf, paf, paf. Voilà. 4, 5, hop, ici. Et on fait ça sur toute la longueur de l'étage. Après, évidemment, 4, 5, il faudra aussi le faire sur les autres étages. 1, 2, 3, 4, 5, paf, paf, paf. Et il faudra aussi faire, comme j'arrive au bout, le bout ici. Alors le bout, on va le faire de manière particulière, c'est-à-dire qu'on va laisser deux blocs ici comme ça, de chaque côté, et on va venir enlever toute la partie centrale. Et on va venir faire une grande fenêtre, une grande porte-fenêtre plus exactement, vu que ici c'est l'accès à la piscine, et donc ça sera l'accès direct à la piscine. Donc tant qu'à faire, autant laisser un passage pour pouvoir passer. Ça sera plus pratique. Hop, hop, on met des vitres. Hop, ici, toi, ici on laisse un passage comme ça, faire croire que la vitre elle est ouverte, tu vois, comme si on pouvait refermer la porte, et qu'on a directos accès sur la piscine, et tu vois, on a, même au premier étage, on a une vue directos sur le lagon. Alors bon, mon render distance, comme on appelle ça, ma distance de vue n'est pas extraordinaire, mais on voit tout de suite qu'il y a une belle vue malgré tout. Et donc quand on est au-dessus, vraiment, ça donne vraiment bien. Bref, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais reporter des vitres. Je vais mettre des vitres dans tous les trous ici. Voilà, et l'idée du coup, c'est qu'on va faire la même chose, évidemment, de l'autre côté de l'étage. On va faire des trous tous les 5 blocs. Alors, hop, on va ici. Et on va donc laisser 1, 2, 3, 4, 5. Et les 3, hop, 3 blocs d'après, on les enlève. 4, 5, 1, 2, 3. Sans faire tout dans le parquet, ça serait plutôt sympathique. 3, 4, voilà, etc., etc. Puis après, on va mettre des vitres dans les trous. Et puis, ça nous fera des fenêtres. 4, 5. Et avec les fenêtres, du coup, on les met les unes par-dessus les autres en fonction des étages. 2, 3, 4, 5. Etc, etc. Hop, 2, 3, 4, 5, paf, 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 et ça sera le dernier pour cet étage-là. Voilà, etc, etc. Et donc, du coup, on fait ça sur chacun des étages, et on fait tous les étages comme ça. Donc, je rappelle hein, la procédure, on double la ligne de quartz ici sur le côté, on met les murs à l'intérieur, on fait la terrasse. Voilà, en partant des murs, on laisse voilà, deux blocs, on fait une terrasse comme ça, comme je vous ai montré. On fait la piscine au niveau du bout avec 4 blocs de marge entre chaque. Entre le bord en fait et le bord de la piscine, il y a 4 blocs entre les deux. Et puis après, on met les fenêtres, et puis voilà, il n'y a plus qu'à faire hein, au final. Et donc, il suffit de faire tout l'étage, tout le côté en fait de l'hôtel comme ça. Il y aura juste du coup le dernier, le plafond. Pas le plafond, le toit, qui va être un peu différent. Donc je vais le faire avec vous, hop, et après on fera la partie centrale ici avec l'accueil et tout l'escalier pour monter. L'idée c'est que du coup, on va faire ici, comme pour les autres étages, un doublement de la ligne de quartz qui fait le tour de l'étage. Sauf qu'ici on va pas mettre de comment on appelle ça, de piscine, parce que du coup, va y avoir une sorte de jardin suspendu finalement, un peu à l'idée jardin suspendu de Babylone, mais bon, version moderne hein, comme vous pouvez le voir ici. Ah, ça fait stylé comme vue avec tous les terrasses comme ça qui s'enchaînent. Waouh, j'aime bien. Ah, j'aime bien. Alors l'idée c'est que du coup on va laisser une petite place à ce niveau là vous voyez, pour pouvoir mettre une terrasse, et on va laisser tout le côté ici complètement verduré avec plein d'arbres. Donc l'idée c'est qu'on va venir mettre comme ça voilà une sorte de rond, enfin c'est pas très très rond mais ouais une sorte de terrasse arrondie comme ça, voilà. Et du coup, de ce côté-là, on va rien mettre. Hein, on va laisser juste la place ici pour laisser une entrée potentielle. Vous voyez? Alors, je vais vous montrer quand même ce que ça donne du bas du truc. Vous voyez? Bam! Là, tout de suite, ça commence à causer. Hein. Mais on va mettre des trucs aussi à l'intérieur de la tour. Là, il faudra pas... Enfin, voilà, je vous montrerai ça tout à l'heure. Hop, du coup,
Youp, ici on va rien mettre et de ce côté-là on va mettre plein d'herbes. Ok, et donc du coup, une fois qu'on a ça, l'idée c'est qu'on va venir, comme pour la terrasse en dessous, mettre des petits arbres. Évidemment, s'il y a des grands qui poussent, bah, faudra les enlever, ce qui est un peu rébarbatif. Hop, on en fait pousser allez, 5-6 comme ça en quinconce. Voilà, mais c'est vraiment stylé comme ça, moi j'aime bien. Aïe 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 aïe. Alors bref, du coup, on fait pousser tout ça en espérant de ne pas avoir de grands arbres. Hop, ok, j'ai pas eu de grands arbres, je suis content. On va mettre du coup de la poudre d'os partout sur la surface de l'herbe, histoire de faire pousser des trucs à fumer. Hop. Voilà. Comme ça fait de la verdure qui se voit de loin. Ok, on commence à vraiment voir quelque chose au niveau de ce bâtiment. Il commence à vraiment prendre de la tronche. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Alors, du coup, voilà, ça c'est le toit du coup qui est fait. Ce qui me reste à vous montrer pour l'instant, ça va être ce côté-là, au niveau du bas de notre entrée ici. L'idée c'est qu'on va venir décaler les vitres bleues de l'entrée en dessous de notre passage qu'on a fait ici tout à l'heure. Ok? Donc l'idée c'est qu'on va laisser deux blocs de marge. Voilà. À ce niveau-là, et on va mettre notre vitre bleue ici. Ok, on va venir la coller à notre mur. Et donc toute cette partie-là du mur, on va l'enlever. Ainsi que toutes ces vitres ici. Alors voilà, je vais faire ça dans l'ordre hein, pour pas faire n'importe quoi. Alors, ok, donc ici on décale, hop, 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 hop. Ok, on a bien deux blocs de décalage à chaque fois. Très bien. Hop, vous voyez. Donc là, ça va être notre deuxième. Enfin, ça va être notre entrée, plus clairement, en fait, de l'immeuble. Et donc, cette partie-là, en vert, on va l'enlever. Hop. Ok. Hop, voilà. Ok, donc l'idée c'est que maintenant la partie en bleu ici, on va la faire descendre jusqu'au sol. J'enlève quand même les blocs dont on n'a pas besoin. Ok, comme ça. Et on la fait tomber toute cette partie-là là, au sol. Ok, et donc une fois qu'on a ça, l'idée c'est qu'on va venir déjà faire une entrée. Hop. Et on va venir creuser du coup dans le sol, puisque du coup là, notre cercle en quartz il est plus adéquat. Hop, voilà, on va venir creuser dans le sol et on va venir mettre une ligne de quartz en dessous de notre ligne en vert. Hop, et on va venir refaire le sol. Ok, donc du coup, voilà ce que j'ai fait. Hop, j'ai mis du coup une ligne de quartz en dessous de notre tour en vert qu'on avait mis ici. Et j'ai aussi du coup repoussé tous les murs. Voilà, il y avait un petit peu de mur qui restait de ce côté-là et ici aussi. Donc ça, je les ai vraiment enlevés. Et du coup, j'ai mis une ligne de quartz en diagonale entre les deux parties du mur qu'il y a au niveau de chaque étage. Et donc tout l'intérieur ici, j'ai mis en bois, comme avant, quoi. Donc ça n'a pas changé. Et donc du coup, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va enlever les blocs ici, vous voyez, hop, sur la longueur tout autour de l'étage et mettre des blocs de quartz à la place. Parce que du coup, c'est vrai que là, du coup, ça fait une sorte de tour qui est soutenue un peu dans le vide. Et voilà, ça fait un peu bizarre. Donc on va mettre des blocs de quartz, histoire de donner un minimum de crédit à tout ça, d'un point de vue architectural. Hop. Voilà. Et ici, on est bon. Très bien. Donc. Eh bien, on est plutôt ok. Je vais finir cette partie-là du coup de l'immeuble et après on va faire la dernière partie, la tour centrale. Hop. Alors, voyons voir ce que ça donne du coup lorsque la partie est finie. Hop. Et vous voyez que l'hôtel il commence à prendre de la tronche hein, quand même. Ah ouais, ça c'est pas mal, ça j'aime bien, ça j'aime bien. Hop, je te fais un peu le tour aussi de l'autre côté pour voir un peu toute l'histoire. Aïe aïe aïe.
Ah, l'hôtel, il commence vraiment à prendre bien. Alors du coup, j'ai fait une petite partie de l'escalier. En fait, il va y avoir deux escaliers, je crois bien. Hop. Voilà, donc là j'ai mis en place le premier escalier. Donc il y a un premier escalier qui va venir, voilà, du rez-de-chaussée jusqu'au premier étage. Et après, qui va aller jusqu'au deuxième étage. Sauf que le problème, c'est que le bâtiment est large et il y a des étages du coup des deux côtés de la tour. Ce qui fait que bah ici, là, vous voyez, l'escalier ne passe pas devant. Donc mon idée, ça va qu'il va y avoir deux escaliers. Un autre escalier qui va venir d'ici, là, qui va passer devant, et qui va remonter après à l'étage ici. Voilà, et donc il y aura deux escaliers qui vont monter tout en haut. Voilà l'idée. Et donc du coup, on va faire au niveau de notre escalier central de la tour, un truc assez classique finalement, hein, on va prolonger un peu le plancher avec des dalles de sapin et on va l'entourer avec des quartz, des blocs de quartz, à côté et en dessous aussi. Donc voilà un peu l'idée. Je te montre du coup l'idée. On va partir de là où on veut arriver ici. Par exemple, on va enlever les blocs de verre ici. On va partir de notre premier étage et on va venir mettre des. Alors, attends, on va peut-être creuser dans le quartz aussi sans te faire de la place. Voilà, on va mettre des planches comme ça. Ok. Et on va venir descendre petit à petit ici sur le côté. Voilà, tout bêtement. Avec deux blocs à chaque fois. Pouf, 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 pouf. Si je dis pas de bêtises, c'est deux blocs. Non, non, ok, c'est une marche par une marche. Très bien. Voilà, on fait un demi-bloc par un demi-bloc, ou une dalle par une dalle. Je sais qu'il y en a qui s'énervent à chaque fois que je dis demi-bloc au lieu de dalle. Hop. Ok, donc on fait un truc comme ça. L'idée c'est que vous voyez ici, là, il y a un décalage entre le creux ici et l'escalier, donc on va le compléter. Ça commence ici le décalage. Donc on le fait jusque là. Ok. Bah voilà. Ok, on fait trois blocs de large du coup pour notre escalier. Hop, en essayant de bien cliquer où il faut. Ici, du coup, hop, alors, ouais. On va faire comme ça. Hop, hop, hop. Alors, oui, du coup, il y a l'escalier au-dessus qui est un peu gênant, mais voilà. Donc, on va faire un truc un peu comme ça. Vous voyez, dès que là, il y a un décalage au niveau de la forme de la tour elle-même, eh bien, on va faire un décalage aussi au niveau de l'escalier, histoire que l'escalier épouse complètement la forme de la tour. Voilà, tout bêtement. Donc, du coup, on va mettre des blocs de quartz sur le côté de notre escalier. Paf, ici, comme ça. Hop, 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 hop. Ok, ici. Voilà, une sorte de rambarde. Hop, de l'autre côté aussi, évidemment. Voilà. Ok. Et on va venir aussi en mettre par-dessous. Hop, ici comme ça. Ok. Alors du coup, vous voyez qu'il y a des trous ici, donc on va compléter ça comme ça. Hop. La même chose de l'autre côté, vous voyez hein, les trous qu'il y a à ce niveau-là. Voilà. Et donc l'idée c'est qu'on va faire la même chose pour tout le long des étages. Le truc c'est que pour les étages du dessus, après ça va être un petit peu différent au niveau du décalage qu'on a mis au niveau des marches. Là vous voyez au niveau de chaque marche, entre le rez-de-chaussée et le premier étage, eh bien il n'y a que une dalle à chaque fois. L'idée du coup, c'est que pour pouvoir aller sur l'étage du dessus, là-bas, on va avoir un décalage de dalle qui va être de 3 blocs. On va avoir des marches qui vont faire 3 blocs de large à chaque fois. Ok? Et donc c'est ça qu'on va mettre ici. Voilà, donc on met une plateforme comme ça. Hop, on met des dalles qui vont être collées contre la paroi en verre. Et normalement, si j'ai bien fait mes calculs, on devrait arriver pile à hauteur. Ouais, voilà. Vous voyez, donc on arrive pile poil à hauteur du deuxième étage. Hop. Voilà, donc on enlève aussi la partie en verre ici. Hop, ici comme ça. Ok. Et donc on a bel et bien notre arrivée au deuxième étage à ce niveau-là. Et donc notre idée maintenant, une fois qu'on a notre tracé d'escalier finalement, eh bien on va augmenter la largeur des marches de 3 blocs hein, à chaque fois. Hop, comme ça. Alors évidemment, dans les côtés arrondis, il va falloir s'adapter.
Ok. Hop, 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 hop. Hop, ici comme ça, voilà. Et donc, une fois qu'on a ça, eh bien, on va faire la même chose qu'à l'étage d'en dessous. On va rajouter des dalles, des blocs de quartz, pardon, sur le côté de l'escalier. Pouf, pouf, pouf. Et on va venir. Alors, pas, voilà, jusque-là. Ok. Et du coup, hop, on rajoute des blocs ici. Ok. On va venir en dessous mettre des blocs, voilà, en dessous l'escalier. Alors j'espère que ça va pas gêner avec l'escalier d'en dessous. Normalement, ça devrait être bon. On va voir. Hop, ici par exemple. Hop, voilà. Bon, allez, on va faire ça à partir d'ici, ça va être plus rapide. Ok, voilà, on met des blocs en dessous l'escalier comme ça, sur toute la longueur de l'escalier. Alors, du coup, une fois qu'on a ça, on va venir rajouter des blocs sur les côtés ici, vous voyez, comme ça, hop, pour que ça soit plus joli à l'œil. Ok. Et donc, hop, voici de dessus ce que ça donne. On va avoir deux escaliers comme ça qui vont s'enrouler l'un autour de l'autre sans jamais se croiser finalement. Et voilà, on fait comme ça sur tous les étages. C'est toujours la même chose du coup maintenant. C'est toujours trois blocs de marge par marche à chaque fois pour chacun des étages. Et voilà, donc c'est exactement la même chose que je viens de vous montrer sur la dernière partie ici. Sur tout le long de l'étage et des étages. Et ça va prendre un certain temps. Je vous le cache pas. Et je vous montre du coup ce que ça donne. Et voilà ce que ça donne. Et c'est un peu long à faire, je dois le reconnaître. Mais voilà, au bout d'un moment, on y arrive et ça passe. Donc après, il y a des petites limites évidemment à ce modèle à deux escaliers, c'est-à-dire que si tu veux aller dans l'étage d'en face, tu vois, tu es dans cet étage-ci, tu veux aller là-bas, bah tu es obligé de tout redescendre et remonter tout pour prendre un autre escalier. Donc c'est un peu, voilà. Mais voilà. Hop, ici du coup on arrive à l'étage, le dernier étage, et voici la vue qu'on a. Alors je devrais peut-être mettre des, comment on appelle ça, des vitres aussi sur le côté, des barrières. J'ai dit des barrières, pouf, voilà. Et les mettre ici sur le côté pour éviter de faire ce que je viens de faire en fait, de me vautrer lamentablement sur le sol. Pouf, 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 pouf. Voilà donc. On met des vitres tout autour, il n'y a pas grand-chose à comprendre là-dessus non plus. Et à la limite, ce qu'on pourrait faire, ce qu'on peut faire, c'est mettre une accueil. Une accueil qui le fait bien, tu vois, donc genre en laine rouge, avec des escaliers, pas du tout des dalles de quartz. On va utiliser peut-être aussi des portes. Voilà, donc clavier en truc de fer. J'imagine que tu as compris ce que je voulais faire. Voilà, un petit bureau avec un ordinateur. Hop, avec un tableau. Ok, et donc à la limite, on peut faire en face de l'entrée de l'hôtel. Ok, une sorte d'accueil comme ça. Si j'arrive à faire ce que je veux. Un truc rond en plein milieu. C'est ça que j'essaye de faire. C'est pas très très rond, j'ai l'impression. Ouais, il est joli mon rond, hein. Non, en fait, voilà, je vais essayer d'améliorer le truc. Parce qu'il faut quand même qu'on ait de quoi passer, en fait, d'un côté à l'autre. Ouais, c'est un peu. C'est pas très très rond. Ouais, on arrive à quelque chose d'un peu mieux, peut-être. Bon, bref, on va dire que c'est ok. On va faire une ouverture ici quand même pour pouvoir passer à l'intérieur. Et ici, du coup, ça sera l'ouverture avec du coup voilà, des sièges ici comme ça, par exemple, avec des gens à l'accueil. Hop, voilà des sièges avec voilà clavier, tableau du coup derrière les plaques de pression pour pouvoir faire des, comment on appelle ça, des ordinateurs. Tu vois, même lui il joue à Minecraft.
Alors, on peut aussi rajouter 2-3 trucs quand même, parce que là, c'est vrai que ça fait pas gros. Enfin, c'est un accueil assez limité. On va enlever le sol et on va mettre un joli tapis, tu vois. On aurait pu mettre juste un tapis d'ailleurs, et pas forcément avoir besoin d'enlever tout le sol. Mais enfin, bon. On va mettre du coup un sol en laine noire, parce que rouge et noir, ça fait stylé. Hop. Hop, voilà. Et on va pouvoir mettre aussi des décorations qui vont pendouiller du plafond. Ça va pouvoir être bien. Hop, alors j'ai plus de tableau. Non, c'est pas ça que je veux. Pourquoi est-ce que je peux pas sélectionner mon tableau? Tableau, ok. Le tableau, je peux le sélectionner que d'un seul côté, visiblement. Voilà. Ok, donc bah une fois qu'on a ça, on va peut-être rajouter quelques décorations aussi, donc notamment des pots de fleurs, hein, par exemple. Hop, pots de fleurs. Avec des fleurs oranges, des tulipes, parce qu'on aime les tulipes. Mes pots de fleurs, ils sont toujours buggés, hein, c'est une catastrophe. Hop. Voilà. Paf, 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 paf. Ok. Et donc, on commence à avoir une vue assez intéressante quand même. Hein. Tu vois, t'entres ici, vroom. Ça te fait une vue particulière quand même. Alors, l'idée maintenant, on va faire un truc assez ouf. On va venir reprendre les barrières de chêne noir ainsi que les feuilles. Voilà, comme ça. Et on va venir faire pendouiller du plafond une sorte de water feature. Hop, ok. Donc, alors, attends, paf. Voilà, donc on met une bonne dose de barrière comme ça. Oh, punaise. Hey, mais t'as vu la dose de barrière que j'ai mis ici? Tout le reste qui a besoin pour pouvoir faire jusqu'en bas. Ça, c'est ouf, ça. Hop. Voilà. Donc, on arrive ici. On va enlever 2-3 blocs. On va mettre. Voilà, une feuille qui arrive ici, ce qui fait que quand tu arrives sur, enfin à l'entrée quand même du bâtiment, tu vois, bah tu vois que le bout de la feuille ici, et tu te dis, bon bah ok, elle est accrochée au plafond, quoi. Sauf qu'en fait, bah il n'y a pas de plafond. Ouais, c'est sympa, moi j'aime bien. Hop. Voilà, on va rajouter aussi peut-être des feuilles ici comme ça. Voilà, peut-être un peu au milieu aussi. Ok, on va mettre plusieurs branches comme ça qui vont pendouiller du plafond. Hop, un peu de la même façon. Hop, voilà un peu l'idée. Donc j'en ai fait trois avec des tailles différentes. Il y en a un qui vient vraiment tout jusqu'en bas. Un autre qui vient jusqu'au deuxième étage à peu près. Et un autre, voilà, à l'étage du dessus. Comme ça, hop, à chaque étage, on peut voir un bout de machin ici. Ça peut être sympa. Voilà. Ok, bon bah sinon on a fini notre hôtel. On pourrait faire des aménagements de plage et le parking aussi derrière, mais ça serait vraiment l'objet d'un autre tutoriel du coup. Donc je sais pas si je le ferai, hein, c'est juste un parking, toi, donc t'as rien à faire en particulier. Donc je sais pas si ça vaut vraiment le coup. Mais voilà en tout cas. L'hôtel ici, il est balèze, il est joli, tout mignon, tout plein. Je vais peut-être vous montrer aussi ce que ça donne avec les shaders. Hop! Et ouais, ça donne plus la même idée hein, avec les shaders comme ça. Ah là là, avec l'ombre comme ça qui est dessinée par les terrasses. Aïe aïe aïe. Non mais ça le fait bien. En tout cas, je suis assez content de mon building finalement. Voilà, je pensais que la tour en verre aurait été peut-être trop grande, mais au final, enfin trop volumineuse. Mais au final, comme elle est un peu prise sur le côté par les deux bras en fait, bah ça passe. Il n'y a pas trop de. Non, c'est, je trouve, bien proportionné et tout. Donc honnêtement, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et du coup, ouais, une petite question pour finir du coup. Alors, pour pouvoir gagner la prochaine, ce bâtiment-là, lors de la prochaine vidéo, il va vous falloir noter dans les commentaires de cette vidéo-là même, le mot suivant. Le premier qui dira, mettra en commentaire ce mot-là, recevra en cadeau ce bâtiment-là. Attention, ça va être ce mot-là que j'affiche dans mon écran. Supercalifragilisticexpialidocious.
Siexpialidusius. Et une deuxième maison sera donnée à celui qui comprendra la référence et qui notera la référence de où est-ce que ce mot a été entendu dans, dans les commentaires. Voilà, donc il y a deux maisons à gagner, hein, ou plutôt... alors comment je fais pour remettre ma vision? Voilà. Ou plutôt non, il y a un qui va devenir propriétaire de l'immeuble en entier et il y en a un autre qui va avoir un étage à l'intérieur de l'hôtel. Parce que voilà. Voilà. Donc voilà, mettez le mot dans les commentaires et les références d'où est-ce qu'on a entendu parler de ce mot-là. Voilà, pour voir un peu les gens de ma génération, on va dire. Allez, sur ce, je vous souhaite à tous un très bon jeu, bon vent matelot et à la prochaine!